Bon, on est reparti les enfants, je pense que c'est la dernière partie de notre Let's Play consacrée à Beyond Good and Evil. Et on va terminer le jeu dans cet épisode, je le sens très fortement. Donc c'est parti, on va redescendre ici. Parce que je pense que ce qu'il y a à faire est en bas. J'ai dû oublier quelque chose ou j'ai pas fait attention à quelque chose comme d'habitude. Donc on va bien fouiller, on va bien regarder ce qu'il y a ici. Dans cette salle-là. Donc, j'ai amené le laser jusqu'ici. C'est bon. Là, il y avait un miroir. Il y a un truc qui brille, là, en fait. J'avais vu là tout à l'heure, mais je pouvais pas le prendre. Là-bas, il y a un truc jaune aussi, une lueur qui brille. Je passais à côté sans... Ok, d'accord. Je passais à côté sans prendre les objets qui m'étaient montrés dans le jeu. Muy bonito! Je pense, comme d'hab, c'est un... Ouais, ok, d'accord. On connaît les ambiances. On connaît les ambiances. Je sais pas pourquoi je me suis pris la tête. Donc, allez, on va mettre la lumière sur celui-là. Voilà. Ouais, c'est carré pour arrêter. Donc celui-là, on va le remettre là-bas parce qu'il y a un autre objet là-bas à récupérer pour faire apparaître les piliers. Donc je pense que j'en aurai besoin. Courons, courons, mademoiselle Jade. Et donc on est sur la lune, c'est la dernière partie, je pense. Oui, bah sûrement. Donc notre let's play aura fait plutôt. Ces épisodes, je trouve que c'est pas mal, ces épisodes. Ça fait pas trop d'épisodes. Parce que moi, j'aime pas trop les let's play qui durent trop longtemps non plus. Ah, ça c'est cool, ça passe entre les deux. C'est génial, allez, viens ici, mon ami, double H. Ça me permet aussi à moi de découvrir le jeu, c'est super sympa. Peut-être que je ferai une vidéo test dessus, j'en sais, je sais pas, peut-être, peut-être pas. On va voir. On va voir, je vais voir. Mais vu que j'ai fait tout le jeu en let's play, faire une vidéo test en plus, je pense que ça ferait beaucoup. Beaucoup trop. Et je vais voir. Si je suis motivé. Ça fait même pas 1500. Ah, je suis dégoûté. J'aurais pensé. Moi, je suis pour péter celui-là. Ah, bien joué. Bien joué, mademoiselle Jade. Très intelligente, la demoiselle. Très intelligente. Bah, c'est pour ça qu'elle est reporter, hein. Allez, hop. On va le mettre sur le plié là-bas. Je sais plus dans quel jeu il y avait un truc comme ça. Il y a un jeu pareil où on devait faire tourner des piliers. Des trucs de lumière comme ça pour s'ouvrir un chemin. Donc là, ça va être les ambiances. Faut taper dans. Ok, d'accord, j'ai compris le délire. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est bien. T'as le bruit pour savoir si t'es bien dedans ou pas. C'est super. Continuons notre petite, nos petits chemins. Trop petit bonhomme de route, je sais plus, je connais plus l'expression, mais bon, j'ai tenté de sortir une expression, mais elle a pas voulu sortir de ma bouche. Notre bonhomme de chemin, c'est ça? J'ai oublié. Ah! Je n'aime pas silence. Quelqu'un nous observe. Ah, c'est joli. Hein. Je le sens aussi. Ils sont autour de nous. C'est très joli. J'adhère complètement. Là, le let's play en off qui va suivre. Après celui-là, j'en profite ici pour en parler parce que c'est ça va être le dernier épisode. Oh, Paige! Mais qu'est-ce que tu fais là comme une... Il est enfermé dans une orbe, comme dans Jurassic Park. Donc comment on fait? Donc le prochain let's play qui va suivre... Paige, tu m'entends? C'est moi, Jade! Calme-toi, ma grande, calme-toi. Tu nous mets la pression, là. La photo, je l'avais déjà prise.
La photo, je l'avais déjà prise. Ce sont les mêmes portes que dans le cloître. Il faut détourner un rayon jusqu'ici. On a déjà mémorisé. Ok, ok. Okay. Donc ouais, je savais bien que le rayon qui était là-bas au fond, il faut l'amener jusqu'ici. Mais j'ai fait le dingue. Parce que là, c'est pas illuminé, donc ça fonctionne pas. Ah, par contre, oh là là! Oh là-bas, c'est flou derrière, là. Gros, gros pixel, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Donc j'ai dit, le prochain let's play qui va suivre en off après celui-là, ça sera le let's play sur Gravity Rush Remastered. Alors le jeu, je l'ai sur, sur PS Vita, mais j'arrive pas à y jouer. Donc là, je suis très très content qu'il est sorti sur, sur PS4, parce que je vais pouvoir en profiter pleinement. Il faudrait réussir à faire tourner le haut de ces colonnes. Il manque quelque chose. Est-ce que j'ai un miroir en plus? Attends. Est-ce que j'ai utilisé tous les trucs là? Okay, non. Je vais peut-être passer un peu trop vite ici. Non, même pas, non. On va y voir. On va y voir, peut-être que j'ai oublié un truc, je sais pas. Peut-être que j'ai oublié. Non, ça j'ai récupéré ici. Ici j'ai tout récupéré. Et donc ouais, Gravity Rush que je vais faire en off sur la chaîne aussi. Je sais que ça va pas faire beaucoup de vues, mais pff, j'en ai rien à secouer. Le jeu en cel shading. En cel shading, et j'adore les jeux en cel shading. Un peu comme ce Beyond Good and Evil, hein, c'est du cel shading. Cartoon. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là. Mais non, mais en fait, il est là le truc. Pourquoi on voit pas de... C'est quoi ce délire? Le truc, il est là. La pierre bleue. Mais pourquoi on voit pas la pierre bleue? Je sais ce qu'il faut faire, vous inquiétez pas. On va utiliser celui-là, parce que c'est celui-là qui est le plus au milieu. Pour alimenter là-bas. Voilà. Mais, ouais, bizarre. Je pensais qu'il manquait une pierre, parce qu'on la voyait pas, là. Donc voilà, on va jouer avec Faith. Faith ou Fate. Donc ça va être assez sympathique, le let's play durera pas très très longtemps puisque le jeu est assez court. Assez court, quoique il y a les DLC en plus, on va voir. Mais j'ai très très hâte de commencer le jeu avec, dans des bonnes conditions pour moi. Hein. Je dis pas que la PS Vita c'était pas des bonnes conditions, mais si vous voulez, j'aime pas trop l'ergonomie de la PS Vita. J'ai du mal avec... Tiens bon, Faith, je vais te sortir de là. J'ai du mal avec les touches en fait. Si vous voulez en savoir plus, j'ai des crampes au pouce et au doigt en fait. J'aime pas. Les joysticks sont mal placés. Est-ce que je fais n'importe quoi là? Parce que si je fais. Attends, s'il te plaît, mademoiselle Jade. Ok, non, en fait, on va faire le cercle là. Après, on verra ce que ça donne. Ah, à chaque fois je... Je pense pas que ce soit comme ça. Hein. Je pense pas que ça soit comme ça. En tout cas, de façon. On va voir, on va tenter. Je vais faire en sorte... Ah ouais, non, c'est pas comme ça du tout. Hein. Parce que là, nous, on a fait le cercle, c'est mignon. C'est pas ça qui est demandé. Ah, bah si. Bah si. Ah, c'est étape par étape. C'est étape par étape en fait. Donc là maintenant, si je bouge celui-là et que je le mets là, hop, ça c'est bon. Si je bouge celui-là et que je mets là, non. Ah, je peux pas. Attends, celui-là il alimente celui-là. C'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Parce que celui-là il est toujours alimenté. Donc c'est pas un problème. Hop. Voilà. Ah! Attends. Ils se rejoignent pas. Ah.
tristesse. Ah bah si. Parce que... Qu'est-ce que le jeu me fait des blagues là? Ah mais... Ok, d'accord. Je peux pas faire le dingue comme ça, d'accord. Ok. Peut-être tu seras toujours alimenté, toi. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais c'est pas ça. Parce que là, il faut que je fasse un triangle. Triangle. Quoique non, je peux pas faire un triangle. Le puzzle. Excellent. Excellent. Ça, c'était bien vu, mademoiselle Jade. Parce que là, maintenant, grâce à cette... ce coup de génie, on a réussi à faire une figure assez intéressante ici pour déverrouiller le deuxième portail. Maintenant, c'est plus compliqué, le troisième. Peut-être les angoisses, mais je pense que on va pouvoir le réussir. Là, c'était bien ça, mais ah mais non, mais si je le tourne trop, ah si je le tourne trop. Celui-là, il est bon. Ok, il est pas bon. Hein. Donc, peut-être tenter. Tenter celui-là comme ça. Après, hop, on le tourne comme ça. Comme ça. Après. Celui-là. Là, clairement, il faut que j'utilise ici. Il faut que j'utilise. Ah, mais dommage. On dirait un X-Wing, tiens. On a fait un vaisseau. Ou une chauve-souris plutôt, une batte. Attendez. Ça demande réflexion ici. Que tout le monde est touché sauf ouais, que celui-là il reste comme ça. Il faudrait que celui-là. Oh mais non. Ça fonctionne pas, Bobby. Ça ne fonctionne pas. Réflexion à toi ici quand même. C'est joli ça, c'est très très joli, mais c'est pas ce qu'il est demandé. Attends, je commence à entrevoir des possibilités là. S'il te plaît, mademoiselle Jade, tu peux. Là, ça revient toujours au même, bordel.
Ouais, mais non, mais lequel qui alimente qui là? Qui alimente qui? C'est lui, il alimente tout le monde. Ok, ok. Okay. Non, non. Oh. Heureusement qu'il n'y a pas de compte à rebours. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de compte à rebours. S'il te plaît, on va changer le. Celui qui va alimenter. Tu peux pas alimenter celui là-bas? Bon, dommage. Ça comme ça. Ça. Comme ça. Je fais n'importe quoi. Bon, ça fonctionne pas. Je pense qu'on devrait essayer de faire une étoile. Tac. Tac. Non, mais j'ai dit on va essayer de faire une étoile. Toi, tu vas aller là-bas. Voilà. Toi, tu vas aller. Aller là. Oh. Oh, mais c'est pas ça qu'il faut faire, mais oh. On entrevoit des possibilités ici. Lui, il était... Attends. Il fait quoi, lui? Ok, comme ça. On tente, hein. On tente des choses. J'espère qu'on va pas rester là une heure non plus, mais on tente. On essaie de voir. Bon, on a trouvé. Si je fais passer celui-là, là. Celui-là, comme c'est le dernier. Normalement, il devrait avoir aucun problème si je le tente comme ça. Oh là 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 là. Oh là là là. De déduction. Allez, c'est parti. S'il te plaît, paye, je ne meurs pas. Merci. Je reviendrai te chercher. Je te ramènerai chez nous. Oh, c'est triste. C'est dur d'avoir fait tout ça et de voir que notre cher Mipage est... Mauvais cadavre. Oh! Jade, nous pouvons sauver les autres victimes. Mauvais cadavre. Ça veut dire quoi ça? Voilà, petite photo. Petite photo. Petite photo. La tristesse. On va se regarder tout de même. Même s'il y a des sauvegardes automatiques, des checkpoints automatiques dans le jeu,
Mais faut pas oublier de sauvegarder tout de même. Parce qu'on sait jamais si y a une coupure de courant ou un truc comme ça. Un éclair qui foudroie les alentours. Et qu'on perd notre vidéo. Quoique, ce serait pas grave ça, parce que ça permettrait de recommencer. Faut faire quoi? Amener une lumière ici? Est-ce qu'il faut amener une lumière ici? Ouais. Eh mais je peux même pas l'amener là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Attends, 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 il faut faire quoi là, gros? On va lui parler. Ok. Bon, il faut m'expliquer, j'ai fait tout ça. Ok, bon. Je suis perdu. Je suis perdu, mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais qu'on allait le sauver et puis que. On allait passer par là. Mais. Ça s'ouvre pas. Ah, attends, attends, attends. Ça s'ouvre pas parce Ne vous que, exposez pas bien au danger. évidemment. Il faut d'abord ramener des informations. Parce que, bien sûr, Mademoiselle Jade peut passer comme ça. J'ai commencé à paniquer. Mais c'est bon, c'est bon. Quel âge. Quel âge, il faut 3 déjà. Quelque chose. Intrusion! Intrusion! Ah! Oh la vache, non mais c'est. La caméra elle devient dingue quand t'es dans des espaces confinés comme ça, c'est impossible à jouer. Tiens, ils ont changé le son de bagarre. Allez, tue-moi, parce que là. Merci. Ils ont changé la musique de bagarre. Bon voilà. Parce que là j'avais pas vu qu'on était entouré de gens dangereux. Moi, il m'a fait pour me voir alors qu'il est hyper loin le type. Donc, dans tous les cas, PNJ n'est pas mort, hein, puisque là, on a besoin d'une troisième personne pour ouvrir les. Pour accéder aux ascenseurs. Lui devrait l'avoir avec. Projectile! Intrusion! Intrusion! Bon. J'ai tenté. Ouh! Ah, mais j'ai pas tous mes points de vie! Ok, j'ai pas tous mes points de vue. Tue-moi. Tue-moi, ce sera beaucoup plus simple. J'avais pas tous mes points de vue, j'avais même pas regardé combien de points de vie il me restait. C'est quoi ces phases là où je fais n'importe quoi? Ouais, ça sert à rien. Je vais là, hop. Je balance. Je dégomme son casque. Ouais, il a pu m'avoir de là. Compris la caméra là. Ah, laisse tomber. La caméra elle est trop chelou.
Elle est chelou cette caméra. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi aussi je suis pas assez focus là. Voilà. Ah, saloperie, va. J'ai fait... Voilà, hop, on prend le plus. Au moins, faut arrêter les conneries, les gars. Faut avancer dans le jeu. J'ai voulu m'infiltrer, le jeu veut pas. Attends, c'est pas mal là, je pourrais acheter mon AP1 là. Ah oui, je pourrais l'acheter, je vais l'acheter après. Je crois que je l'avais envoyé, je sais pas où lui. Je suis obligé de passer par là, y a pas le choix. Y a pas d'autre endroit. Allez, c'est parti. Oulala, oulala, j'ai eu peur là, qu'est-ce qui s'est passé? Bordel. C'est quoi ces crânes de... Regarde-moi ces têtes de prédateur. Oh, je vais passer par là je pense, mais... Que je dis... J'allais dire, j'allais faire le tour pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, mais bon. Je pense pas qu'on ait besoin de faire le tour, le chemin est indiqué très aisément ici. On court, on court, on court, on rush. Ouh. La vache, trône. Je sais pas du tout où je vais, hein. Là, je joue au feeling, hein. Je sais pas s'il faut descendre, monter. Il y a un truc vert ici, ça a l'air. Ça a l'air d'être intéressant. Restez là. Je suis allé au feeling, peut-être que j'ai raté des trucs. Ah, les gens qui ont été capturés. Asbane Beckred, vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous, votre excellence. Ok. Shoni est une Doms. Shoni Doms Tinda. Shoni Doms Tinda. Ok, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Faut repartir tout simplement. Shoni Doms Tinda. C'est pas bien, je sais pas de quoi il parle. Courons. La vache. C'est terrible leur truc là. Peut-être qu'il faut que je retourne au truc vert là, je sais pas. C'est bizarre. Ah, la photo. La photo. La photo. Oui, bien sûr. Johnny, double H. Allez vite diriger le reportage depuis l'émetteur. Et tout il y sera avec nous. Le gouverneur acceptera certainement de vous aider. Je
Je me disais aussi, j'avais oublié de faire quelque chose. C'était la photo. Hop, c'est reparti. J'espère qu'on se fasse pas attaquer ici. Entre la maison, c'est le bleu. Excellent. Les Iliens odieusement sacrifiés et vidés de leur énergie par un prêtre Doms. Debout, citoyens, chassons les sections Alpha et les Doms. Donc les Doms ont besoin de Shawnee parce qu'elle a un pouvoir, quoique... Bien sûr, parce qu'on avait vu au début du jeu que... Je sais pas, elle a fusionné, je sais pas ce qu'elle a fait, elle a reçu un pouvoir bizarre. Oh, oh là là, gros. La panique. Pas de panique à bord. Me dire qu'ils ont repop. Ah non, ils ont pas repop. J'ai eu peur, hein. Par où je viens là? Je viens d'où là? Tiens, un vaisseau Doms. Pas nous ce qui nous intéresse, c'est le pognon. Ici, paf, paf, on récupère tout. Alors cet épisode va être plus long que d'habitude, hein, que ceux que je... Ça va faire une heure et demie, je pense, le temps de terminer le jeu tranquillement. Mes amis, nous. Non, ça nous fait descendre, ça. C'est pas bon. Boum, boum, boum. Ouais, je viens de... Je viens pas de là. Là-bas. Attends. Je ne sais plus. En face? On va descendre ici pour voir. Là, c'était bien là. Il va chauder. J'ai vu les prisonniers. C'est monstrueux. Ils sont des centaines. Ah mince. Je m'attendais à ce que ça s'ouvre, mais j'ai oublié qu'on devait passer comme ça. On se tire. Oh, il va se passer quelque chose là. Il dit quelque chose. Il veut pas. Jade, nous pouvons sauver les autres victimes. Il faut diffuser le reportage depuis l'émetteur. On y va, on court. On trottine pour aller diffuser ce reportage. Le couloir est très long quand même. Ah. Shawnee, c'est incroyable. On vient de recevoir un mail de notre chef. Il est vivant, Jade. Vivant.